Nous, ce qu'on voulait, c'était un peu vulgariser les techniques d'animation. On s'est dit que fallait commencer par la base, et c'est-à-dire y aller image par image et rendre ça le plus simple possible pour des enfants. Donc, on a construit une espèce de gros cube, puis à l'intérieur, on avait toutes sortes d'objets que les gens pouvaient s'approprier pour faire des animations de 5, 6, 7 secondes. Alors, on a choisi de travailler sur l'univers marin et de s'inspirer d'animaux fun avec des pinces, avec des nageoires, des choses qui puissent être interactives pour que les personnes qui participent au processus puissent s'amuser, les faire bouger. Le choix du papier était super intéressant parce que ça fait un univers un peu dessin animé. L'intérêt pour Muséomix, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent être créateurs, qu'ils peuvent être acteurs et qu'eux-mêmes sont source de création. Et pourquoi pas au sein du musée, puisque c'est ça notre challenge.